Grâce au théorème de Pythagore, nous sommes capables de construire très rapidement des segments de longueur racine de 2, racine de 3, racine de 5, etc. Pour ce faire, on commence à tracer ce segment de longueur 1 auquel nous collons ce triangle rectangle dont le deuxième côté de l'angle droit a également comme longueur 1. Par le théorème de Pythagore, nous savons que le carré de l'hypoténuse est égal à 1 au carré plus 1 au carré. Donc le carré de l'hypoténuse doit être égal à 2, et par conséquent, cette hypoténuse mesure exactement racine carrée de 2. À cette hypoténuse, nous collons ce triangle rectangle dont le deuxième côté de l'angle droit mesure 1. Par le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous savons que le carré de cette hypoténuse est égal à racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré. Donc le carré de cette hypoténuse vaut 3 et par conséquent l'hypoténuse vaut racine carrée de 3. À ce côté de longueur racine carrée de 3, nous collons ce triangle rectangle dont le deuxième côté de l'angle droit mesure de nouveau 1. Et encore une fois, par le théorème de Pythagore, cette hypoténuse doit mesurer racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Nous continuons ainsi de suite pour construire la racine carrée de 5, la racine carrée de 6, la racine carrée de 7, la racine carrée de 8, la racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, la racine carrée de 10, etc. La figure ainsi obtenue s'appelle l'escargot de Pythagore. C'est joli ce dessin, non ?